Quel est l'objectif de cette visite? C'était une visite courtoisie pour faire la connaissance. Oui. Nous avons parlé beaucoup et c'était excellent. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette rencontre? Vous n'avez pas parlé de politique? Oui, politique, la Guinée, l'investissement, la démocratie, tout. Vous savez que l'ambassadeur des États-Unis vient de prendre fonction à Conakry. Il a entrepris une visite de courtoisie pour se présenter aux personnalités du pays et nous avons échangé sur la politique, sur la coopération américaine. Un mot sur le contenu des échanges? Non, écoutez, on a parlé de tout, hein. On a eu plus d'une heure d'entretien. Je lui ai donné ma lecture de la situation, bien entendu. Mm-hmm. C'est ce qu'il voulait, savoir mes sentiments sur l'état de la nation, en quelque sorte, je le dis aux États-Unis. Et j'ai donné donc ma lecture de la situation. Est-ce que vous avez parlé de cette affaire du troisième mandat qui fait débat dans la cité? On a parlé de tout. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il a pris des engagements? Est-ce qu'il a pris des engagements? Je n'ai pas le droit de révéler ce qu'on s'est dit, c'est plus les positions parfois qu'il a prises, enfin les commentaires qu'il a fait. Mais je dis qu'on a abordé toutes les questions.